Quel est le sentiment, présentement, qui vous enchaîne et vous garde en captivité? Est-ce un sentiment de frayeur, de doute ou peut-être de blâme? Est-ce une peur paralysante concernant quelque chose de bien spécifique? Ou est-ce l'inconnu qui vous fait peur? Avez-vous été trahi maintes fois, encore et encore et encore? Ou même pire, vous êtes-vous trahi vous-même et vous êtes-vous maltraité? Est-ce la croyance que vous n'êtes bon à rien qui vous entraîne à juger? Vous sentez-vous seul face à votre propre autocritique? Ou pire, ressentant de la haine contre vous-même? Vous sentez-vous seul à cause du décès de quelqu'un sans lequel vous ne pouvez pas vivre? Portez maintenant votre attention sur une seule chose qui vous retient. Quelle est l'émotion dominante qui vous pèse le plus, qui vous paralyse? Vous seul avez la clé pour vous rendre la liberté. Est-ce un sentiment de rage, de peur, de culpabilité, de honte? Concentrez votre attention sur ce sentiment, cette émotion, et ressentez-la bien pour quelques instants. Si vous avez déjà traité la frustration, concentrez-vous plus profondément sur la blessure, la honte, la culpabilité. Continuez à chercher ce que vous ne pouvez pas pardonner. Toutes les douleurs proviennent de quelque chose qui n'est pas pardonné. Toutes les douleurs physiques et émotionnelles proviennent de quelque chose qui n'a pas encore été pardonné. Imaginez que vous gardez ce sentiment, cette émotion, comme si c'était un ballon de basket, et prenez note de son poids très lourd. Observez sa couleur. Y a-t-il un son, un grain particulier? Est-ce chaud ou froid? Cette forme énergétique a pris bien de la place pendant très longtemps et nous nous préparons à la relâcher. Avec les yeux de votre esprit, placez ce ballon en dehors de vous et demandez-vous honnêtement si vous pouvez vivre sans ce sentiment. Vous êtes peut-être devenu dépendant de ce sentiment. Vous n'êtes peut-être pas prêt à cesser de vous culpabiliser ou de blâmer d'autres personnes. Vous aimez peut-être passer du temps avec vos craintes parce que cela vous donne une raison d'être, une manière de passer votre temps et votre énergie. Mais si vous êtes vraiment prêt à vous libérer de ce sentiment par amour, et si vous êtes prêt à ajuster votre corps à vivre sans ce sentiment, nous pouvons commencer. Observez simplement le ballon en dehors de vous. Et concentrez-vous à nouveau sur ce sentiment. Lorsque nous commençons, vous pouvez suivre les instructions physiquement ou simplement imaginez que vous faites les gestes. C'est votre choix. Imaginez que vous placez votre main droite ou placez-la sur le haut de votre poitrine et pressez gentiment à la recherche d'un endroit un peu douloureux. Vous prendrez note d'un petit endroit assez sensible. Lorsque vous l'aurez trouvé,
commencez à le frotter gentiment, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors que vous faites cela, en continuant à vous concentrer sur le sentiment que vous avez choisi, répétez après moi, soit à haute voix, soit dans votre tête. Je m'accepte complètement et profondément, avec tous mes problèmes et mes limitations. Je m'accepte complètement et profondément, avec tous mes problèmes et mes limitations. Je m'accepte complètement et profondément, avec tous mes problèmes et mes limitations. Continuez à frotter sur le point sensible et répétez après moi. Je m'accepte complètement et profondément, même si j'ai envie de garder ce problème. Je me pardonne, même si je veux garder ce problème. Je me pardonne, même si je veux garder ce problème. Maintenant, tapotez sous votre nez avec le bout de vos doigts et répétez après moi. Même si je ne mérite pas de vivre sans ce problème, je me pardonne. Même si je ne mérite pas de vivre sans ce problème, je m'aime et je me pardonne. Même si je ne mérite pas de vivre sans ce problème, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. En tapotant sous la lèvre inférieure avec le bout des doigts, répétez après moi. Je m'accepte complètement et profondément, même si ce n'est pas prudent de relâcher ce problème. Je me pardonne, même s'il ne m'est pas possible de vivre sans ce problème. Je me pardonne, même s'il ne m'est pas possible de vivre sans ce problème. En tapotant du bout des doigts entre les sourcils, juste au-dessus de l'arête du nez, répétez après moi ou écoutez simplement. Je guéris tous les traumatismes dans toutes les racines et les causes les plus profondes de ce problème. Je guéris tous les traumatismes dans toutes les racines et les causes les plus profondes de ce problème. J'ai guéri tous les traumatismes dans toutes les racines et les causes les plus profondes de ce problème. En tapotant sur le côté de la main qu'on appelle le point karaté, répétez après moi. Même si je suis dépendant de la vibration de cette émotion, je me pardonne. Même si je suis dépendant de cette émotion, je me pardonne. Même si je suis dépendant de cette émotion, je me pardonne. Avec votre main droite, appuyez des deux côtés de l'ongle du petit doigt de votre main gauche et répétez après moi. Je commande à ce sentiment de s'en aller maintenant. Je commande à ce sentiment de s'en aller maintenant. Je commande à ce sentiment de s'en aller maintenant. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Il est possible que cette émotion soit partie complètement. Il est possible que ce ballon n'existe plus dans votre esprit. Si c'est le cas, nous pouvons remplacer cette émotion par une autre, plus positive. Premièrement, il est important que votre corps soit dans la bonne position. Commencez par placer votre cheville droite sur votre cheville gauche et votre main gauche sur votre main droite. Vous pouvez placer vos mains sur vos genoux ou sur votre cœur. Relaxez-vous en faisant trois respirations profondes
un peu exagérée, vous permettant de vous mettre encore plus à l'aise avec chaque respiration. Une affirmation parfaite pour ce moment serait: je suis parfait, complet et rempli d'amour inconditionnel. Mais vous avez peut-être choisi votre propre affirmation pour votre vie. Sentez-vous libre de choisir votre propre affirmation ou bien répétez: je suis parfait, complet et rempli d'amour inconditionnel. Durant les 3 minutes qui suivent, répétez votre affirmation. Continuez de la répéter. Après cela, inversez la position de vos chevilles et de vos mains et continuez de répéter votre affirmation durant les 3 prochaines minutes. Ou l'affirmation que je vous ai donnée: je suis parfait, complet et rempli d'amour inconditionnel. Voici le son que vous entendrez lorsqu'il sera temps d'inverser la position de vos chevilles et de vos mains. Inversez maintenant la position de vos mains et de vos pieds.
tard, vous pourrez remplacer n'importe quelle émotion négative en répétant vos affirmations. Vous pouvez maintenant contrôler vos émotions. Avec beaucoup d'amour, je vous laisse maintenant. Merci.